Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Resident Evil 4 avec potentiellement un petit peu de bruit en fond et il y a toujours du taillage de haies comme dans l'épisode précédent. Mais j'ai pas l'impression qu'on l'entend, mais bon, alors, au cas où je vous préviens. On s'est arrêté à la boutique du vendeur et donc on va continuer. On est de passer le cimetière, mais l'église est fermée pour le moment. Donc pour la débloquer, il va falloir qu'on récupère un élément. Et il y avait cette grande zone. On dirait que le portail est fermé. Un instant. J'entends un grognement de l'autre côté. Avec le portail. Il faut que je tire sur quelque chose, peut-être. Non, peut-être juste que je passe la porte qui est là, en fait. Ça commence bien cet épisode. Ça commence très bien. Je fais n'importe quoi. Ah, c'est reparti. Voici, je me suis fait avoir. Une fois, mais pas deux. Très bien. Est-ce qu'il y aurait... Non, pas de trésor, un peu plus loin, mais c'est tout. Très bien. T'es tout seul, toi. On va peut-être pas utiliser... Bah, tout seul. C'est un bien grand mot. Ça ne touche pas. J'aurais aimé que tu viennes plus vers là, mais... Ouais, tout juste. C'était vraiment tout juste. J'ai cassé l'œuf. Ah, je me suis pris avant que je puisse tirer. Je crois qu'ils ont tout explosé. Pas très efficace cette MP. Après c'est peut-être moi qui l'utilise très mal. Ça ne fait rien. Ok. Je disais que peut-être ça pouvait être utile, mais... Dégage.
je l'esquive. Pas mort lui. Ah. Et lui. Peu perturbant ces ennemis qui en sortent un peu de nulle part. Vérifie que je loupe pas le trésor. Ok, il est en face. Pipe ancienne. Toi, ce qu'il est. On va pas se relever lui. Ok. J'essaie de les gérer calmement, tranquillement. Petite grenade incendiaire, ça fait plaisir ça par contre. Ici, il n'y a rien. Il y a quelqu'un apparemment. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'épaule. Erreur de ma part. Je me demandais si en passant derrière je pouvais la voir, mais non. Ouais, voilà, ce qui m'inquiétait, c'est qu'il y avait un serpent pas très loin. Et apparemment, il s'est enfui. Moi, bon, j'aurais bien récupéré son œuf, mais. Ah putain, je suis pas assez rapide à chaque fois. Oh,
En fait, c'est que j'ai pas envie de spammer la touche pour pas casser l'œuf. Parce que l'œuf, c'est pas mal quand même, pour se soigner et tout ça, mais... Du coup, je traîne un petit peu trop. Je t'ai eu. Et on avance. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. La suite, c'est sur la droite. Mais tout droit, on a des choses. Ok, bon bah on pourra pas ramener le corps à la famille, hein, ça va être compliqué là. Herbe jaune, oui, enfin. Pourra combiner tout ça pour se soigner. Très bien. Et gagner un petit peu de vie maximum. Ça peut être pas mal. On sauvegarde. Oui. Il me semble que c'est là qu'il y a un truc. Ah, machin. Voilà, merci. Ça, je savais, ça m'a fait un petit succès. Normalement, vous les voyez. Ça, je l'avais déjà vu. Qu'on pouvait faire ça. Donc maintenant, on va prendre la petite barque. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ah, mais je me trompe. Ah, je me trompe de touche. Ça va être une mort.
J'appuie pas sur tirer, je fais n'importe quoi. J'étais plus efficace sur Assassin's Creed 4, hein, sur les phases de harpon. Bon, je préfère recommencer. Pas très grave, on a sauvegardé juste avant. Vérifie qu'il n'y avait pas de document sur le monstre. Bon bah j'imagine qu'il faut le viser lui. J'ai eu un doute en fait en voyant l'espèce de truc. En voyant l'espèce d'îlot, s'il fallait pas tirer dessus, mais. Ça c'est bloqué, par contre il y a un. Effectivement un truc à aller chercher. Bon, après on va voir à chaque fois la cinématique, donc je vais essayer de pas trop mourir. Donc ça va pas trop long. Attends, je peux passer. Ça, je sais pas comment je suis censé faire. Là, pareil, je sais pas. Il y a un truc que je dois faire. Moi je veux bien le bourrer, hein, y a pas de souci. Je lui fous des harpons, mais. Et merde. On tend QTE. Coupe pas la jambe. Et fin du chapitre. Et fin de l'acte 1, on passe à l'acte 2. Parfait. C'était notre premier boss.
It's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm all right now. I'm gonna continue my mission. Bon, ça va, Léon, pose pas trop de questions. Ok. Non, en fait c'est... Bah, j'aimerais... je peux pas retourner au lac, c'est ça? Quoique si, en sortant on pourrait retourner au lac, très bien. On va prendre ça, lettre anonyme. Un objet important est caché dans les chutes. Si vous le trouvez, vous pourrez peut-être aider Ashley à s'échapper de l'église. Attention, le chemin permettant d'accéder à l'église n'est pas facile. Ils ont placé ce qu'on appelle un El Gigante. Que Dieu vous protège. Pour ce qui est de votre état, si je pouvais vous aider, je le ferais, mais cette situation vous dépasse. Peut-être un message de Louis. Rien de particulier. On va refaire une sauvegarde derrière. Ça évite que si on meurt, on se retape la cinématique. Hop, grenade aveuglante, il faudrait que je les utilise au bout d'un moment. Parce que moi, voilà, j'aimerais retourner au lac. Tout simplement parce qu'il y avait un endroit avec un trésor. Et en plus, c'est allumé, donc ça veut dire que le marchand... Oups, pardon, j'ai mis un coup dans le micro. Le marchand est là-bas. J'ai réussi à coincer Léon dans le décor. Ne me demandez pas comment j'ai fait, c'est du talent pur. Rien ici. Est-ce que tu cacherais pas quelque chose toi par ici? Munitions. Un peu d'argent. Et du coup, il est où le trésor? Pique ses affaires. Ah, gemme verte. Nickel. Maintenant, on peut aller le voir. Got some rare things on. What are you buying? Bon, il va me le dire à chaque fois, tant que je l'ai pas pris, son arme. Il a plus de spray. Je peux avoir des choses, mais... Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Non. Par contre, je peux augmenter mon fusil à pompe. Est-ce que ça vaut le coup? Is that all, stranger? Thank you. Un petit coup là-dessus, ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai des choses que je peux te vendre? T'es sorti dans un objet, ouais, donc ça il faut que je le garde. Thank you. Je lui vends ça et je peux peut-être lui vendre. Grenade aveuglante, monsieur. Ouais, même deux. Is that all? Thank you.
What are you buying? T'as vraiment pas de carte au trésor, non? Non, ok. Bon, bah on a récupéré des choses, c'est déjà pas mal. Je vais pas tout de suite utiliser mon herbe jaune. On va attendre un petit peu. D'être plus mal en point pour l'utiliser. Ah, j'ai encore un spray de toute façon. Carte. Donc on a l'objectif et après on aura un trésor et on va aller dans une nouvelle zone après, a priori. Donc là on aura peut-être une nouvelle carte au trésor. Oh, je vais pas vous aimer, vous. Ah, je vais tellement pas vous aimer. Je confirme, je vais vous détester. Vous avez une portée de fou. Oh, vas-y. Je suis ravi. On reprend où? On reprend là. Bon, ça va. Oh. Par contre, il donne de l'argent. Du coup, vu que ça me one shot, on va quand même, voilà, faire ça. Ça peut être pas mal. Là, je vais combiner comme ça. Ok. Excusez-moi, j'essaie de prendre un escalier. C'est pas la chose la plus évidente, apparemment. Et on fait des petits sauts de cabri. Alors, avant de descendre. J'ai plus beaucoup de munitions de ça. On va descendre. Je crois que par exemple, ici. Il y a quelqu'un qu'on peut voir. Est-ce que je peux pré-shot deux ennemis? Malheureusement, les autres n'ont pas spawn. On va prendre ça vu que j'en ai pas mal. Zone un peu ouverte et tout ça, donc ça va forcément se transformer en arène à un moment ou à un autre.
qui brille là-haut. Spinel, très bien. Trop fort, on dirait qu'il y a un chemin de l'autre côté. Oh ouais, alors on l'avait lu le petit papier. On sait qu'il y a un truc à faire avec la cascade. Ouh, par contre. Il y a un truc qui brille en hauteur là. Une bague d'ombre, très bien. Ça fait plaisir. Je regarde hein, parce qu'il faut tirer sur tout, alors bon. Au bout d'un moment. Ok, fermez le barrage et on va pouvoir avancer. Étonnamment, pas d'ennemis, j'aurais parié dessus. Et ici, ouais, bah, j'ai récupéré ce qu'il fallait. J'avais pas prévu qu'il sautait par contre. Attendez, calmez-vous. On est bien, prendre ça. Ok. Il y a un peu trop de dégâts à mon goût. C'est juste un petit trou. Je crois que c'était un chemin. Prendre un signe circulaire. Oui. Vous avez obtenu un signe circulaire. I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Ok, il va falloir retourner à l'église. Et du coup, je ne sais pas où on va.
Non, rien, rien, ok. Tant pis pour moi. Ah, on revient ici. Intéressant. Du coup, on peut faire une sauvegarde là. Got a selection of... What are you selling? Alors, ça j'ai des choses sorties dans un objet. Oh, ça dit pas que c'est sorti, donc. Donc pour l'instant, je les vends. Vas-y, j'augmente un petit peu. Cadence de tir, pourquoi pas. Allez, hop, et on garde un peu sous le coude. Autre sauvegarde. J'aimerais bien aller à l'église parce que je pense que ça peut être un... Ça peut être une fin de chapitre. Et qu'on est qu'à 37 minutes, donc on pourrait aller jusqu'à l'église. Vous croyez que je peux faire un maxi herbe verte là? Oui. C'est le moment, Seigneur des Anneaux. C'est maintenant. Craqué, Léon, il est craqué. Je suis pas mort. Étonnamment, je suis pas mort, mais on va quand même se soigner, hein. Oh merde. Attends, montez. Je peux faire un truc. Ok, il faut le sublesser suffisamment pour faire sortir le parasite. Elle est pas passée loin celle-là. Cours.
train de recharger. Ok. C'est bon. Oui, non. Go. Je vais devoir utiliser ça. On va espérer que la troisième fois sera la bonne. Ah, ils ont changé la touche. Je m'y attendais pas. On a stoppé El Gigante, combat poids lourd. Merci le chien loup qui est reparti tel Batman. Oui, je prends les 15 000. Hein. Je prends les 15 000. Ouh. Herbe jaune. Avec la rouge, plus qu'une petite herbe verte, et on est bien. Donc j'imagine que si vous aidez pas le chien, il sera pas là pour vous aider dans cette phase. Donc il lui a attiré l'attention, ce qui m'a bien aidé hein, pour le coup. Herbe verte également, hop, combiné. On va s'équiper ici. Malheureusement, j'ai plus beaucoup de pompes. C'est dommage. Ok. Nickel, nickel. Tout ça, c'est fait. Ouais, le chien est parti. Oh, je voulais pet the dog, moi. Je voulais caresser le chien. Ok, on se fait de l'argent. Quand il y aura d'autres mallettes, on pourra les acheter ou les cartes. Et on va essayer d'aller atteindre cette église et voir si mon intuition était la bonne. Ah, les caisses sont apparues. Fusil à pompe, parfait. Donnez du fusil à pompe. Ah mais il est pas gentil lui. Effectivement, il a une sale tronche. Ouais, j'étais là en mode ouais, je vais caresser le chien. Ah, je l'ai caressé, mais pas comme je voulais. Hein. Bon, bah, on va utiliser notre soin tout de suite. Hein. Impossible de l'ouvrir. Un orifice circulaire. Peut-être qu'un objet puisse être inséré. Oui, ceci. On est dans l'église. Je peux peut-être passer là-dessus. Là-bas.
Grenade aveuglante, c'est pas le mieux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui utilisent très très bien hein, cette grenade. Très certainement pas mon cas. Cet insigne apparaît partout. Je me demande s'il s'agit d'une religion locale. Après, ça n'empêche pas Léon de voler la quête de l'église. Ashley doit être dans les environs, il doit bien avoir un moyen de l'ouvrir. Oui. Qu'est-ce que c'est ces boutons là? C'est peut-être juste des lampes. Pas des boutons. Grenade incendiaire, ça fait plaisir. Si, voilà, il y a des boutons avec des lampes à actionner. C'est un truc avec des couleurs. Donc, autant vous dire qu'en tant que daltonien, actuellement, je suis ravi. Voyons voir ce que ça donne. Je crois que ce triangle il est bon. Si je prends le rouge. Celui-là il est bon. Et si je prends le bleu... J'essaie de trouver... Qu'est-ce qui pourrait correspondre à celui-là? Ok. Bon, ça va, c'était pas des mélanges de couleurs. Fallait juste voir. Bon. Après, je voyais du jaune à certains endroits, donc je suis pas sûr. Mais moi, j'ai repéré un triangle vert. C'était plutôt simple. Take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Alors, c'est là qu'on va commencer à se marrer. Manuel du jeu 3. Léon peut donner des ordres à Ashley en lui disant « Attends ou suis-moi par le pied de RB ». Ashley est le bouton d'action. Dans certaines situations, Léon et Ashley peuvent coopérer pour surmonter les obstacles. Vous pouvez utiliser des objets de guérison pour soigner Léon, mais aussi Ashley. La mission de Léon se soldera par un échec si Ashley meurt ou si elle se fait emporter par des ennemis. Donc c'est là qu'on commence à se marrer. Et qui a traumatisé pas mal de joueurs. La gestion d'Ashley, puisque le jeu se transforme en mission d'escorte géante. À partir de ce moment-là. Mais je pensais avoir une sauvegarde, moi, par contre. Il faut aller où? Faut aller où? Faut aller où?
faut aller là-bas. Oui, elle a pas tes chevilles, Léon. En même temps, personne n'a les chevilles de Léon. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift when I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your mind. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. Oh, you okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Au moins, Ashley, elle a pas hésité à sauter, et ça, c'est cool. Parce que, franchement, quand quelqu'un te propulse à travers une fenêtre, t'as quand même, à mon avis, quelques secondes d'hésitation. Du coup, ben, fin de chapitre. On sauvegarde, et puis on va juste regarder la petite cinématique du début. Et puis après, on va s'arrêter là, parce que l'épisode commence à être un petit peu long. Eh ben pas de cinématique, donc on s'arrête ici. Eh ben écoutez, on a bien avancé aujourd'hui, puisqu'on a fait le monstre du lac, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus si c'est pas tout simplement El Monstro del Lago. On a fait El Gigante, et on a récupéré Ashley. Donc beaucoup de choses dans ce quatrième épisode, si je me trompe pas. Et puis ben, on va continuer cette aventure et essayer de faire survivre Ashley suffisamment longtemps. Pour pouvoir progresser. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.